Hello, welcome to Cosmic Turtles. My name is Tina. Mon nom est Tina. Bienvenue à Tortue Cosmique. Today we're doing a reading and it's a bilingual one. We're doing French and English. Aujourd'hui, on fait une lecture, ça va être français-anglais. And I'm going to go down the astrological signs. Alors, on va faire tous les signes astrologiques. So, we're going to start with Aries in English. So, two cards and then I'll give the definition in English and then in French. All right, what do we got for Aries? Qu'est-ce qu'on a pour Bélier? On commence avec Bélier. Puis on prend deux cartes. Deux cartes. Two cards. So we start off. There's an offer for Aries coming in. There's a message about an offer. Someone's going to contact you and give you information about a message. Alors, il y a un message qui rentre ici pour... We'll start in English, okay? We'll do one. Okay. The message is is about something that you value. It's something you were looking for. And this is going to bring you into your wish fulfillment. So it's going to bring you to your happiness. Either you've been looking for a job and then you got it and it's bringing very much happiness for the whole family. Okay? Alors, pour les béliers, il y a une offre, un message à propos d'une offre qui vient vers vous. Puis ce message peut être à propos de soit un job que vous voulez avoir, un emploi, ou ça concerne quelque chose qui est de valeur. Parce que les pentacles, pour moi, la définition, c'est quelque chose qui est de valeur. Alors, il va y avoir un message qui va venir vers vous, soit par texto, soit par téléphone, soit par messenger, que ce soit d'une façon ou d'une autre, ou bouche à oreille. Et puis, ce message qui vient vers vous, qui est une offre de valeur, ça va vous amener dans votre 10 de coupe, qui est se sentir bien. Se sentir bien totalement. Le 10, c'est comme, ça emporte de la joie. C'est ça que c'est la carte de la joie. Alors, cette offre va vous amener à votre joie familiale, votre joie personnelle. Alors, c'est ça qui est le message pour les béliers. So, that's the message for the Aries. Alors, what do we have for Taurus? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux dans la collective? On a une carte. What do we have for Taurus in the collective? We have one card so far. What is the next card? What do we have for Taurus? There's the other one. Okay. Woohoo! Taurus! You are definitely... Well, actually, this is associated with Taurus too. The Empress. Come out in your own reading. The Empress is total abundance, creativity... feeling great, fulfilled, being in your power. And while you're being in your power, Taurus, you're attracting offers of love. So there's this Knight of Cups that's coming towards you, that's bringing in an offer of love for you. So we have this combination here for Taurus, which is beautiful. Alors pour les taureaux, on commence avec l'Empresse. Elle a une énergie d'abondance, la beauté, la créativité, se sentir bien, le contentement. Alors ça, c'est l'énergie que vous avez présentement. Puis puisque vous êtes dans cette énergie, ça a rapport avec le signe de taureau aussi. Une offre d'amour vient vers vous. Une offre... d'avoir peut-être une relation amoureuse avec quelqu'un. Alors, les offres vont venir vers vous parce que vous avez cette énergie-là avec vous. Et c'est ça le message pour les taureaux présentement. OK. Next, we got Gemini. Prochainement, c'est les Gémeaux. OK. So, let's see what we got for Gemini. First, the message in English, then the message in French. Whoa, there's one for Gemini. Where's the other card? One more card, thank you. First one. Gemini, you got love coming towards you, or you're the one that's bringing love towards someone. And maybe that someone that you're offering the love to is someone of a fire sign, because the Queen of Wands represents fire signs.
Alors, le message pour les Gémeaux, c'est que on a soit une offre qui vient vers vous, une offre d'amour qui vient vers vous pour être donnée à vous, ou c'est vous-même qui a cette énergie-là, puis qui aimerait donner son amour à la reine de bâton qui représente les signes de feu. Ça se peut-tu que dans la collective des Gémeaux présentement, peut-être qu'ils sont en attraction envers un signe de feu? Alors, c'est ça qui est le message présentement pour les Gémeaux. All right, next we have Cancer. Cancer est le prochain. What do we have for a message for Cancer? In the collective, what do we have for Cancer? Woohoo! One, une carte. And what else? Une autre carte, s'il vous plaît. OK. Cancer, right now you're holding things into balance. You're trying to keep yourself in a good way, balancing the things you hold of value. What you hold of value could be your own mental stability, it could be your emotional stability, it could be your financial stability, it could be anything of these things that you hold of value. And the next card that came out is the healing card. The Four of Swords represents healing. So it's creating a balance so you can restore your health. So that's the message for Cancer. Alors pour les cancers, il y a le 2 de Pentacle qui est sorti qui veut dire que vous gardez toutes les choses en ballant présentement. Vous êtes après garder votre stabilité émotionnelle en ballant, vous gardez votre stabilité mentale en ballant, aussi votre stabilité financière que vous gardez en ballant. Vous faites l'effort de faire ça. La deuxième carte qui est sortie, c'est le 4 d'épée. Qui veut dire vous êtes en stage de guérison. Alors, vous maintenez la balance en dedans de vous pour être capable de guérir puis revenir à la santé. Et voilà le message pour les cancers. Next, Leo. Alors, so what do we have for Leo? One card. Two card. All right. Perfect. Leo, first card. You have the card of options. Oh, excuse me. You have many options. The Seven of Cups represents options. There's many options that are available to you. Not every one of these options are good for you, but they are available for you. So it's up to you to listen to your internal promptings, and then you're able to know which decision is the best one for you. Next card that came out is the Three of Wands, which represents that you're waiting on your ships to come in. You know you have a lot of options that are presenting to you, but you're choosing to go with what you're really passionate about because you're starting to see the manifestation of what you've been asking for come into play into your life at this moment. So this is your message, Leo. Alors pour les lions, la première carte qui est sortie, c'est le 7 de coupe. Cette carte représente des options. Vous avez plusieurs options et opportunités qui sont disponibles à vous présentement. Mais pas toutes les choses qui sont en option présentement, c'est bon pour vous. Il y en a que ça pourrait avoir de la déception. Il y a des choses que c'est. Alors, utilisez votre discernement. Alors, tout s'ouvre vers vous pour que vous, qui vous montre, la vie vous montre que vous avez plusieurs options. La deuxième carte qui est sortie, c'est le 3 de bâton, qui veut dire que vous préférez, à place d'aller vers les options ici, vous préférez aller pour ce que vous êtes passionné. Parce que vous savez que ce dont vous êtes passionné, que vous avez aligné pour vous autres même en premier lieu, il y a des preuves qui s'en viennent vers vous, il y a des choses qui se matérialisent pour vous et puis qui vous donnent la sensation que oui, les choses que j'ai demandées, même si tout ça est disponible, je vais vers ce que je veux vraiment. Okay? Alors voilà le message pour les lions présentement. All right. Next. Virgo, Vierge, prochain. All right, what do we have for Virgo? What do we have for Virgo? Ooh, two cards already, they flipped in. Virgo, you're very satisfied. You're very content right now with everything you've built for yourself. And this is the Nine of Cups. You see, he's sitting there, he's got everything he's built around him, he's feeling content.
and you're waiting for your 10th cup to arrive. So you're very happy being in your own skin at the moment. Second card that showed up is the Eight of Pentacles, which means you're hard at work at what you hold of value. So as you're content with everything you've got, you're also working hard at what you hold of value and what you'd like to manifest for yourself. And there's the message for Virgo. Alors pour les Vierges, présentement, la première carte, c'est le 9 de coupe. Vous êtes en contentement présentement. Vous êtes très satisfait de ce que vous avez accompli jusqu'à date. Vous voyez, il est assis là, il est tout content, il a toutes ses coupes. Il attend pour la 10e, puis présentement, il est content d'être dans sa propre peau. Et puis la deuxième carte qui est sortie, c'est le 8 de Pentacle, qui veut dire que vous êtes très fort. Vous êtes dans vos projets, vous passez à l'action et vous faites ce qui est de valeur pour vous, ce qui contient de la valeur. Alors, c'est soit un projet, c'est soit le travail sur vous-même, il y en a c'est sur le côté physique, il y en a c'est sur le côté mental, il y en a qui vont au gym, il y en a qui... Alors, il y a toutes sortes de façons d'être fort au travail sur les projets qui nous tient à cœur, qui est plein de valeur pour nous. OK? Alors, voici le message pour les Vierges présentement. Next, we have Libra. Balance est prochain. All right, what do we have for our Libra collective? What do we have for Libra at this moment? What do we have for Libra? Libra. Ah, les balances ne veulent pas parler. Libra doesn't want to say anything. Oh, il y en a un. There's one. And there's two. All right. Hey. So Libra, we start off with the Three of Wands, which means you're looking out for your ships that are coming in. You've already made a decision in what direction you want to go into. And then once you made that decision, you started seeing manifestations happen, and you're just waiting now for things to line up and come into your life directly. Right now you see the small manifestations happening. You see the proof that these things are on their way to you. At the same time, the next card that came up was the Chariot card, which means you will have a major decision. Once you receive this, what do you want to do with it? Which direction do you want to go with this that's coming in. Okay, so that's your message, Libra. Alors, pour les balances, la première carte qui est sortie, c'est le 3 de bâton. 3 de bâton représente que vous avez déjà fait une décision dans une direction et que maintenant, vous attendez pour les choses à venir vers vous, ce que vous avez demandé, les choses ce dont vous êtes très passionné. Et cette carte représente que, effectivement, et vous savez, les petits bateaux ici, ils s'en viennent vers la côte. Alors, il vient voir cette personne ici parce que c'est ça que cette personne voulait. Il voulait que les bateaux viennent vers lui. Alors, ça représente que les choses dont vous êtes passionné à propos, que vous avez intentionné pour que ça vienne vers vous, que vous avez fait les démarches qu'il fallait faire, vous commencez à voir la manifestation venir vers vous. Alors, vous voyez les preuves que le divin le divin est là pour vous aider. Alors, vous voyez les preuves présentement. La deuxième carte, c'est le chariot. Le chariot représente qu'un coup, vous avez reçu ce que vous demandez. Vous allez avoir une décision majeure à faire dans votre vie. Cette décision concerne comme... peut-être vous demandez des petites choses, et maintenant, ce serait faire la décision, est-ce que vous voulez vraiment aller dans ce domaine de vie. Maintenant que vous savez comment ça fonctionne, maintenant que vous savez comment manifester les choses, est-ce que vous voulez vraiment aller dans cette direction-là? Alors, ceci est le message pour les balances. Et maintenant, on va à Scorpio. Scorpio is next. What do we have for the Scorpio collective here? What do we have for Scorpio? Two cards. All right, Scorpio. We start off with a Knight of Pentacles.
This is a very slow moving energy. He is the slowest, but he is also the only one of all four knights that make it to the finish line. So this person is coming in and offering you, making an offer that is of value to you. And it is something real. It'll just take time to develop. What that does in the meantime, it sends you on the hangman position. You're like, okay, I received this and it's going to be slow. Do I really want this? And you're trying to look at things differently. And it's causing some type of illumination and you're getting to see that, yes, okay, this is something that I'd like to get into. So it's always up to you. Take what resonates. And this is the message for Scorpio. Alors maintenant, c'est pour les Scorpions. La première carte qui est sortie, c'est le Chevalier de Pentacles. Ceci est une énergie qui est très lent. C'est le chevalier le plus lent de tous les chevaliers, mais c'est le seul qui se rend à l'arrivée. C'est le seul qui va faire tout le trajet jusqu'à la fin. Alors, il y a une personne qui vient puis vous offre quelque chose de valeur, qui a de la valeur pour vous. Et puis, ce que ça fait, on est dans le pendu, ça vous met un peu à l'envers. Ça vous donne un peu de recul, puis là, vous mettez à l'envers face à l'offre, parce que ça cause une réaction intérieure, puis là, vous commencez à regarder les choses d'une façon différente. Vous commencez à regarder les choses à l'envers un peu. Mais ce qui cause un peu d'illumination, parce que vous venez de savoir, vous venez de découvrir que oui, c'est vraiment une offre qui est vraie. Okay, qui est donné du cœur, qui a de la valeur, que c'est vrai, ça va prendre du temps. Puis là, vous êtes à faire face à votre décision si vous voulez continuer avec cette offre ou si vous la refusez. C'est totalement à votre décision. Alors, Scorpion, voici votre message. Merci. OK, so next we get into Sagittarius. What do we have for our Sagittarius collection? We have a collection of Sagittarius here. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos Sagittaires? À place de dire collectif, j'ai dit collection. Alors, on a une collection de... Ouh, il y a une carte ici. Sagittaire! It's a card that was hiding. Vous avez la roue de fortune. Okay, in English first. Sagittarius, you have the wheel of fortune. This is great. Let's see what the second card is. Roue de fortune en premier. Youpi! Okay, let's see what we got for the second card. Ooh! Alright! So, first card, you got the Wheel of Fortune. Nice! Things are working into your direction. Things are... The fortune is shining on you. It's turning in your favor. And the next card is the Queen of Pentacles, which means it's going to bring you into your abundance and your creative abundance at that. So this is the message for Sagittarius. Ooh. Alors pour Sagittaire, on a la roue de fortune. Hey, ça c'est bien parce que la roue, présentement, elle est après tourner en votre faveur. Alors les choses s'alignent bien pour vous, Sagittaire. Puis la deuxième carte, c'est la Reine de Pentacles. Ça, c'est une énergie d'abondance, d'avoir nos racines bien enracinées sur la terre, tu sais, les deux pieds sur la terre. Puis, ça vous amène à... C'est de l'abondance, mais c'est aussi de l'abondance créative. Alors, utilisez votre feu Sagittaire, puis mettez votre créativité à l'œuvre, parce que tout s'aligne bien pour vous. Et voici votre message. Okay, next we have Capricorn. So what do we have for our Capricorns? One. Oh, too many. Just one moment. Too many cards. And they all went all kinds of ways. Too many cards. Okay. What do we have for our Capricorn? We have one card. And then too many cards again. Capricorn, get a grip on yourself. OK, Capricorn. Il y a une carte présentement, puis là, on a la deuxième. All right, we got the second card. First card. Five of Wands. Capricorn,
there's either some debating or arguments, or it could be you're going through training. Either way, you're getting stronger at what you're doing, at what you're passionate about. Second card, Two of Swords. Right now, you're taking a step back from the 3D matrix. You're shutting everything out and you're going inside to really figure out what it is that you want in your life, how it is that you want to proceed for your next step in your own evolution. And that's your message. Alors Capricorne, la première carte qui sort, c'est le 5 de bâton. C'est soit qu'il y a des débats puis des petites chicanes là, avec des gens, ou ça représente de l'entraînement. Parce que les gens sont pas, leurs visages ici sont pas vraiment à maudit, là. Ils ont le sourire puis tout, puis ils sont après s'entraîner. Alors ça veut dire la force en vous commence à grandir. La deuxième carte qui est sortie, c'est le 2 d'épée, qui veut dire que vous allez vous fermer face à l'extérieur d'une façon, parce que vous allez faire un trajet intérieur pour découvrir qu'est-ce que vous voulez vraiment faire pour le prochain stage de votre vie. Alors, entraînement, vraiment pensez à qu'est-ce que vous voulez faire pour le prochain stage de votre vie. Vous allez sortir de vous-même, genre, puis là, vous allez commencer à participer à nouveau, puis tout va aller bien, parce que vous aurez fait votre décision. Alors, voici le message pour les Capricornes. Alright, so Aquarius is next. Aquarius. Too many cards. What do we have for Aquarius? Aquarius. Woohoo, one card. What do we have for Aquarius? One more card, please. One more card. Ça va être Verseau après. Aquarius. One more card. I take that one then. All right. Première carte, first card that came out is the Four of Wands. You're almost at the finish line. Look at that. There's celebration. There's people waiting. There's it. Aquarius, you're going to reach this milestone in your life and you're going to feel good about yourself. The next card that came out is the High Priestess. Use your intuition. Rely on your intuition. Not so much the workings of the head there, because sometimes we get the loopy thoughts. Breathe those out and really go deep inside. Listen to your intuition. This celebration, you deserve it. So accept it. All right? Alors, pour les Verseaux, la première carte qui est sortie, c'est le 4 de bâton. C'est une célébration. Vous êtes quasiment à la ligne d'arrivée ici. Vous allez accomplir quelque chose, puis vous le ressentez, là. Vous êtes quasiment là. Entre-temps, cette carte est sortie, c'est la prêtresse. Elle a dit, utilise ton intuition. Alors, pour te rendre jusqu'à la fin, là, utilise ton intuition. Sentez-vous digne de recevoir ce que vous avez travaillé pour, parce que ça a rapport avec vos passions. Fait, vous avez le droit de célébrer ce que vous avez accompli. OK? Vous alignez vers là. Alors, félicitations. Voilà le message pour les Verseaux. Now, Pisces. Maintenant, c'est Poisson. All right, what do we have? One card. One more card, please. One more card. Une autre carte. Juste une. What do we have for Pisces? Qu'est-ce qu'on a pour Poisson? All right. Une autre carte. OK. Pisces. First card. Ace of Swords. There's an opportunity coming towards you. Or you're being offered by the divine the ability to cut through crap. You don't need that in your life anymore. Even you've received this as from the divine, you're receiving this tool to be able to cut the crap out of inside of you as well. Because it's been such a chaotic world, but you're gonna learn how to use this for yourself. It is your inner truth coming to light. You'll be able to use it. Next card that came out is the Four of Cups. The Divine is giving you a lot of things, but for some reason you're not wanting to receive, you're not satisfied with what you have,
And when opportunity comes and they come and bring you something, you don't have the ability to see it yet. That's why you're receiving this, so you can stop doing that to yourself. Okay, so that's your message, Pisces. Alors, pour les poissons, la première carte, c'est l'as d'épée. Le divin vous donne un outil. Cet outil, ça représente la vérité, votre vérité intérieure. Avec cette épée, on parle de métaphore, là. Avec cette épée, vous allez avoir la chance de couper toute la merde qu'il y a dedans de vous, qui est alentour de vous, incluant les pensées négatives, les choses comme ça, qu'on se fait à soi-même, le sabotage de soi. Alors maintenant, vous allez recevoir ce don va ouvrir en dedans de vous. C'est le divin qui le débloque pour vous. Puis là, vous allez être capable de filtrer tout ce qui se passe à l'entour de vous. La deuxième carte, c'est la carte de coupe. Ici, ça représente que une personne qui n'est pas satisfaite avec ce qu'il y a présentement. Puis quand le divin essaye d'y donner un autre coupe ou une autre opportunité ou un autre don, il n'est pas capable de l'apprécier ou même de le voir. Fait, cette as d'épée ici va être l'outil pour vous aider à être plus en gratitude de tout ce que vous avez. Puis ça va vous ouvrir les yeux, puis là vous êtes capable de recevoir plus dans votre vie. Parce qu'il y a eu pas mal de chaos en dedans pour les poissons, parce que c'est pas facile. Là. Puis là, vous allez avoir les outils appropriés, illuminés, débloqués en dedans de vous, puis vous pourriez l'utiliser d'une bonne façon. Puis après ça, vous allez vous sentir bien. Alors voici le message pour les poissons. So thank you everyone, all the supporters, subscribers, please share, like the video, and we'll see you next time. Alors merci beaucoup à toutes ceux qui ont subscrit à mon canal, toutes ceux qui ont pressé le thumbs up, le like button. J'apprécie tout votre support. Alors, c'est Tina de Tortue Cosmique. Puis à la prochaine!